Allez, mais avance! Hey! Ça bug! Vas-y, renvoie toujours la même chose avec elle, elle squatte tout le temps le hamac! Hey oh! T'as cru que c'était ton hamac ou quoi? Vas-y, sors, c'est à mon tour, depuis tout à l'heure t'es dessus! Mais je viens de l'utiliser, t'es non, fou! Non, non, vas-y, sors! Vas-y, dégage! C'est quand tu te maries, t'as de la barbe, je sais pas moi! Comment ça, c'est quand toi tu t'as été adopté? C'est bon, t'as été adopté, je voulais pas le dire, je l'ai dit, t'as été adopté! Arrête de mentir! Si, c'est vrai, tu t'appelais Justine, et t'as été adopté, ils t'ont choisi dans la liste, elle est là-bas, si tu me crois c'est pas! C'est faux, bah ramène-la! Va voir, va demander à papa si tu me crois pas! T'as c'est été faux. Adopté! C'est faux! Justine! Papa! Oui, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait avec le ballon là? Quoi? J'étais avec maman, je faisais du sport là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une heure qu'elle est là. Vas-y. Ah oui? C'est bon. La loi, c'est moi. Aujourd'hui, on va passer une journée avec ma soeur. Vous allez voir c'est quoi d'avoir une soeur chiante. C'est vraiment relou. Oui papa, qu'est-ce qu'il y a papa? Écoutez-moi bien. Je vais sortir, je vais aller faire les courses. Yacine, c'est toi le responsable. Tu fais attention à la maison et toi t'écoutes ton frère. D'accord, mais si elle fait des bêtises et tout, je fais comment? Mais moi je veux pas faire de bêtises. Il dit c'est toi le responsable, tu te débrouilles. Allez, salam alaikum. Toi je te préviens, je vais aller jouer à la console. T'as intérêt à faire pas faire de bêtises, à te tenir à carreau. C'est bon? Oui. Oh elle est belle. Mon père il est parti, je vais flinguer la play toute l'après-midi. Et vous, vous jouez à quoi? FIFA, Fortnite? Je sais pas à quoi jouer. Et on va jouer aux deux frères. Allez. Oh. Mes parents ils m'ont toujours interdit d'aller dans cette porte. J'en suis sûr qu'il y a un trésor. C'est parti. Oh, il y a tout ce qu'ils m'ont confisqué, je vais tout reprendre. Waouh. Regardez, j'ai retrouvé quoi? Waouh, ce qu'ils m'avaient confisqué parce que j'avais tout renversé par terre. En même temps, c'est pas de ma faute. Hein. Ah, Yacine, viens voir, Yacine. C'est urgent. Ah mais wesh, y'a quoi là? Ah, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais tomber. Tu t'es fait mal ou? Fais voir, t'as qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi? Y'a quoi, Myriam? Une araignée. Elle est où l'araignée? Elle est où? Elle est là, elle est plus là. Ça là? Oui. T'as peur de ça là? Oui. Oh, vas-y, toi tu rends ouf, c'est bon, vas-y, c'est trop cette petite là, c'est bon. C'est pas facile d'être la plus petite. Pourquoi je suis pas la plus grande? Non, je rigole, c'est incroyable. Parce que quand tu fais une bêtise, c'est toujours la faute des plus grands. Quand notre père il nous crie dessus, juste à faire. Mais c'est pas moi, c'est lui. Et c'est pas de ma faute. Pose ton téléphone vite, faut que je te dise un truc. Quoi? Là, t'as vu, tu commences à être grande. Ah oui. Il y a des trucs qu'il faut que tu saches. Je suis même plus grande que toi. Non mais là je parle sérieusement, là je rigole pas, il y a des trucs qu'il faut que tu saches. Quoi? À partir de là, maintenant que t'es grande, il faut plus que tu fasses n'importe quoi. Il faut pas sortir toute seule dehors, il faut pas aller avec des garçons, il faut pas faire des trucs bizarres, d'accord? Mais je le sais ça. Ouais mais tu le sais, mais je préfère te le dire. Moi je rigole pas avec ça. Si je te vois avec ne serait-ce qu'avec une personne à côté de toi. Yacine, faut que je te dise un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'énerve pas hein. Quoi? Est-ce que je peux sortir avec ma copine? Elle a un nouveau vélo. Mais toi, mais t'es une malade. Mais jamais de ta vie entière, de ma vie entière réunie, tu sortiras dehors toute seule tant que je suis encore vivant, c'est bon? Et bah alors, je fais comment? Je sais pas, t'as qu'à les inviter, invite-les, c'est tout. Ok. Ouais, allô, désolé, je peux pas sortir. Ouais, mais par contre, mon frère, il a dit vous pouvez venir à la maison. Ouais. Mais non, vous inquiétez pas, il va pas vous crier dessus. Ok, à tout de suite. Nous on est à côté avec mes copines, on fait pas de bêtises. Vous avez 20 minutes, dans 20 minutes vous rentrez tous chez vous, hein. Papa il va rentrer là. Asseyez-vous tranquille, vous inquiétez pas, je vais vous mettre Netflix. Ah, vous voulez que je mette plus fort? Mais c'est une blague. Oh. Oui. Oh les sorcières là, vous jouez à quoi? Vous êtes des malades dans vos têtes ou quoi? Vas-y, éteignez ça, baissez le son là. Ah vas-y, cassez-vous chez vous, c'est pas un foyer ici là. Vous avez cru que c'était on est où là? Bande de malades, vas-y, vas-y, sortez là! Vous inquiétez pas, les filles, j'ai n'importe quoi. Allongez-vous, mettez-vous à l'aise. Ouais, je vous ai pas de maison ou quoi? Vas-y, rentrez chez vous là! C'est pas un squat ici! Bande de malades! C'est toujours la même chose avec lui. A few moments later. Yacine, mais laisse-moi jouer, laisse-moi non, jouer! Non, non, vas-y, va jouer avec tes crottes de nez là, non, dégage! Laisse-moi jouer! Je suis en game là, me touche pas! Pas. Oh, y'a papa qui est rentré. Hey, il s'est rien passé, hein. T'as pas été dans la pièce bizarre, t'as pas invité tes copines ni rien, d'accord? Tu dis rien, papa. Hein. En échange quoi? Comment ça, en échange de quoi? Tu me passes 10 euros et je dis rien. T'es sérieuse là? Oui, papa. C'est bon, je vais te les passer les 10 euros. Salem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que je maquillage? Il a une boîte de médicaments, mais il devait pas faire des courses. Quoi, ça là? Je me suis trompé, j'ai cru que c'était des sushis. C'est à cause de vous là, vous foutez le bordel dans ma tête. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Ah, il y avait... Rien, il s'est rien passé. Hein. Moi, je joue à la console et elle a regardé ses dessins animés, là. T'as fait tes devoirs? Oui. D'accord, je reviens 5 minutes, je vais changer la boîte, c'est pas des sushis. Ah oui, j'ai changé de ceinture.
Elle est en cuir de vache, de peau de vache. Elle fouette. Non mais tu ouvres s'il te plaît. T'es sérieuse là? Bah oui. T'as vu depuis que t'es petit tout ce que je te fais? Je te donne des chewing-gums, ah, je te mets bien. Stop. Et je veux quand même mes 10 euros. Y'a pas de 10 euros, c'est rentré chez ouais. Eh, hey, donne-moi mes 10 euros sinon tu vas pas que t'as invité mes copines. T'es sérieuse? Oui. T'es une balance. Bah, t'es une balance, non mais t'es une balance, t'es sérieuse. Donne-moi les 10 euros. Je vais le dire à papa. Arrête, c'est bon, je vais te les donner tes 10 euros, je les ai pas sur moi, faut que je les retire. Vas-y, Ken, 10 euros, je suis un ouf, vas-y, casse-toi, rentre chez moi. Papa. De toute façon, chien, elle va pas le dire, c'est sûr. Hé, hey, papa! 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 Qu'est-ce que t'as sur la tête? Oui, ma fille. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Ça, c'est pour les cheveux, je l'ai acheté à Lidl. T'es sûr que c'est pas mon bandeau? Non, c'est pour les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu me déranges en pleine sieste? Eh ben, en fait, Yassine, il avait invité mes copines. Il a ouvert la pièce où il y avait tous les trucs confisqués. Et aussi, il jouait à la Play. Quand je suis parti? Oui. Yassine? Oui. Regarde-moi dans les yeux. C'est vrai? Oui. Hada, je vais tester la ceinture sur lui. Hada, je vais lui faire. Merci, merci ma fille, je peux toujours compter sur toi. Et y'a dégage. Y'a dégage. Ces enfants, ils me font monter la tension. Je vais mourir dans 2 minutes avec eux. Hada, elle fait du bruit. Hada, elle est silencieuse. Yacine? Quand il fait cette démarche-là, c'est sûr qu'il va me tuer, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que ça peut bien être? Yacine, t'es mon fils. Je vais pas aller par 4 chemins avec toi. Qu'est-ce que t'as fait hier dans l'après-midi avec ta sœur? Dans l'après-midi? Papa, je te promets, je savais pas qu'ils allaient prendre de l'argent sur l'abonnement de la PlayStation. Je te jure, je savais pas. Moi, au début, je croyais qu'il y avait marqué gratuit. Et après, ils t'ont pris 50 euros, c'est pas de ma faute, je savais pas. Et 50 euros, c'est toi en plus? Je te parle pas de ça! Tu parles de l'après-midi de la moto? Eh, je te promets, j'avais pas de casque, je sais, la police nous a arrêtés, mais il m'avait dit qu'il y avait rien. Il avait dit que c'était un avertissement et je fais plus de la moto, je te jure, je fais plus de la moto. Amour. Pas, ça va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles des glaces Ferrero Rocher, je suis désolé, je les ai finis, mais je savais pas que c'était à toi, moi je pensais que j'avais le droit de manger, je savais pas, désolé. Ça y est, t'en as trop dit! Qu'est-ce que t'as fait hier avec ta sœur? Mais papa, tu voulais que je fasse quoi? Tu m'as dit, c'est moi le responsable, s'il lui arrive un truc. Elle voulait sortir dehors. Oui, elle voulait sortir dehors avec des gens, je sais même pas c'était qui. Elle voulait faire des trucs de fou. Elle voulait ouvrir la pièce, prendre tous les trucs que tu lui as confisqués. Elle voulait, c'était trop dur pour moi de la tenir, je pouvais pas faire plus. Écoute-moi bien, t'es le plus grand, c'est ta faute. Dans ces situations-là, on est obligé de simuler x1000. Si on simule pas x1000, il va nous mettre grave des coups. Là, au moins, il croit que je suis fini. Mon bras! Je peux plus bouger! Yacine, mon grand frère préféré, je dois te dire un truc. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Quand elle vient me voir comme ça, c'est soit elle a fait une bêtise ou soit elle va me demander quelque chose. Yacine, ça va mon frère préféré? Eh, hey, t'es musclé hein, quand même, t'as pris. Vas-y, tu veux quoi? Je sais que tu veux quelque chose, tu veux quoi? Dis-moi. Tu peux me passer 10 euros? Oh, alors là, dégage tout de suite avant que je m'énerve, y'a pas de 10 euros. T'es sûr? Tu vas faire quoi de 10 euros? Pas moi, acheter des bonbons, trucs comme ça. Ah, vas-y, casse-toi là. Qu'est-ce qu'il y a, oui? Mais il fait quoi avec un parfum? Ah ça, c'est pour sentir bon quand je vous tape. Si vous voulez un épisode 2, mettez un maximum de likes et abonnez-vous, c'est très important. Mais Yacine, sérieux, passe-moi 10 euros. Bon, vas-y, tiens. Merci.